Ta maîtresse? Oui. Pourquoi? Bah parce qu'ils sont gentils. Mais qu'est-ce qu'ils font pour être gentils? Bah ils donnent pas de punition, voilà. Mais tu m'as dit tout à l'heure que t'avais eu une punition. Oui, mais c'était Travailles-tu mieux si ton maître ou ta maîtresse est gentil avec toi? Oui. Pourquoi? Bah parce que ça m'aide et puis en même temps, je lui rends le plaisir. Chloé. Bonjour. Est-ce que ça va? Quoi? Est-ce que ça va? Oui. Quel métier voudras-tu faire plus tard? Maîtresse. Quelle matière enseigneras-tu le plus souvent aux enfants? De l'anglais. D'accord. Au revoir, Chloé. Au revoir. Bonjour Pablo. Bonjour. Quelle est ta matière préférée à l'école? Les maths. Pourquoi? Parce que c'est ma matière plus précieuse que ça. Il y a d'autres choses qui fait que t'aimes les maths? Non. Au revoir. Au revoir. Bonjour Théo, quelle est la matière que tu aimes le moins faire à l'école? L'histoire. Pourquoi? C'est long. C'est juste pour ça? Non, parce qu'il pose trop de questions. Pourquoi ça te gêne? Oui. Bon, tu sais pas y répondre? Non. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Lucille. Tu aimes l'école? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime bien travailler. Qu'est-ce qui te plaît le mieux dans l'école? L'art plastique. Qu'est-ce qui te plaît le moins dans l'école? J'aime pas trop la récréation. Ok, au revoir. Au revoir. Bonjour, Loane. Je vais te poser une petite question. Est-ce que tu as beaucoup de copains ou de copines à l'école? Oui. Est-ce que tu les aimes bien? Bah oui. Inès, tu vas bien? Oui. Alors, que penses-tu de la cantine? Je sais pas. Qu'est-ce que tu imagines au moins? Je sais pas. Du tout, du tout? Pas du tout. Léonore, est-ce que tu as déjà mangé à la cantine? Oui. Oui? Est-ce que tu aimes la cantine? Un peu. Qu'est-ce que tu n'aimes pas à la cantine alors? Bah, il y a des fois où c'est pas bon. Oui. Et quel est ton dessert préféré que tu as mangé à la cantine? La galette. D'accord. Au revoir. Raoul, est-ce que tu voudrais bien changer d'école? Non.
Pourquoi? Parce qu'elle est bien. J'aime bien cette école. Est-ce que tu voudrais changer quelque chose à l'école? Non. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà bien. Y a pas quelque chose que t'aimes pas? Non. Au revoir. Là, c'est les doubles ou les maths. Ici, géographie. C'est un peu qu'elle a, ouais. C'est le Portugal. Avec les maths, l'anglais avec les pivotes. Et après, les sports sont très serrés. Français. Alors, quels sont les résultats du vote de l'école? En première position, c'est le sport que les élèves préfèrent, avec 63 enfants qui ont voté. D'accord. La deuxième matière préférée, c'est l'art plastique, avec 31 votes. Mmh. La troisième matière, c'est les maths, avec 28 votes. La quatrième est l'anglais, avec 18 votes. La cinquième, c'est la musique, avec 9 votes. La sixième, c'est la science, avec 7 votes. La septième, c'est le français, avec 6 votes. La huitième, c'est l'histoire, avec 5 votes. Et la dernière matière, c'est la géographie, avec seulement 2 votes. D'accord, merci. Comment c'était l'école autrefois? Notre école a des qualités et des défauts, non? Mais l'école d'autrefois, est-ce qu'elle a aussi des qualités et des défauts? On peut pas savoir. Forcément. Je pense. Mais je sais pas trop. Faudrait voir. Ouais. Et toi, Maëlys, qu'est-ce que t'en penses? Faudrait savoir ce qui s'est passé avant et puis ce serait intéressant aussi. On a qu'à utiliser la tablette de la classe. Moi, j'en suis sûre qu'elle est magique. Génial! Ouais, cool! Wow. Oh, c'est quoi? Après l'histoire, on ne mourrait pas de froid. Si on avait froid, on se jetait dans les flammes pour se réchauffer. Mais on n'en sortait pas vivant. Les silex, c'était nos crayons à nous. Mais on se coupait souvent les doigts avec. On était toujours sages car sinon, on se faisait trancher la tête. Au temps des Gaulois, quand on sortait dans la forêt pour chasser, on se bousculait à chaque fois. Il faudrait penser à agrandir les portes pour que les maîtresses ne se cognent pas. Mais si on se bouscule, c'est difficile de chasser le sanglier pour le dîner. Allez les enfants, assez travaillé pour aujourd'hui. Au temps des Romains, l'école, c'était vraiment très dangereux. Il fallait dresser les lions et nager avec les requins. Et souvent, en fin d'année, les classes entières étaient déchiquetées. Au secours, c'est la fin, je vais me suicider. À l'école du Moyen-Âge, c'était cool. Mais il y avait beaucoup de bagarres. On pouvait faire plusieurs activités. De l'escrime, de l'équitation. Aller en classe. Ou les moments en récréation. Tan, 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 tan.
du futur, le maître était un robot obèse. Et même certains élèves parlaient comme ça. La langue du roi d'Ado Gaguerre. Ouais, vive l'école! Vous deux, vous revenez là. On mangeait du diamant avec du cochon nucléaire. Des silex à faire du feu, mais j'aurais vraiment pas aimé qu'on me tue parce que j'avais fait une bêtise. Moi, je sais faire du feu. Et toi, Denis, chez les bourgeois, j'aurais pas de cheminée. C'était bien. C'était bien de chasser. Moi, je fais mais on se faisait manger par des poissons. Et toi, Aurélien, t'as pensé quoi des Romains? Alors, les Romains, c'était assez bizarre, les lions dans la forêt. Ouais, c'est vrai. Et puis. C'était pas très drôle parce qu'à la fin, on se faisait les classes étaient déchiquetées et puis le maître se suicidait. Voilà, le maître se suicidait. Triste. Et c'est pas bien. Et toi, Adèle, t'as pensé quoi du Moyen-Âge? Vraiment très triste. Moi, j'ai bien aimé le Moyen-Âge. Oui, j'ai bien aimé aussi l'escrime. Ça m'a fait découvrir l'escrime du Moyen-Âge avec des vraies épées. Et j'ai aussi bien aimé les chevaux. Ça devait faire mal quand on se coupait avec. Ah, ça c'est vrai. On pouvait mourir. Ah oui, j'espère qu'on a des bons. Et toi, t'as pensé quoi du futur? Ah bah, le futur, c'était cool parce que les matières, elles étaient bien, etc. Mais ce qui est pas cool dans le futur, j'aimerais pas être attrapée par une sorcière explosée dans un vaisseau. Ah oui. Ah ouais. Sinon, il n'y a plus d'école. Vous vous rappelez, Gaba, il a ramené des souvenirs du futur. Ouais. La sorcière, il l'avait déchiquetée. Bien fait, vraiment, on a gagné la guerre. Oui, mais j'aurais bien aimé goûter le sanglier pour voir si c'était meilleur. J'aimerais bien aussi. J'avais pas de foot avant. Tu savais ça? Non. C'était bien. Tu passes quoi à l'école d'aujourd'hui? C'est bien parce que on tue pas comme à l'école de la préhistoire, on se fait pas manger comme dans l'école des Romains. Et toi, Aurélien? Alors moi, l'école d'aujourd'hui, j'aime bien. C'était où? Et toi? Pareil. Et toi? Je trouve que l'école de maintenant a moins d'activités à proposer. Mais en sécurité, c'est beaucoup plus sûr. Moi, vous savez que ce que j'aime, moi j'aimais bien l'école de maintenant. J'aime bien l'école de maintenant, vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de meurtres et en même temps, en plus, il y a plus d'activités, il y a plus de l'école, on fait cinéma, on fait la récréation, surtout la récréation. Ah ouais, moi la dernière fois.